ouvrir ta main comme ça, les deux mains, comme ça. Wow! Bravo! Sur la tête. Est-ce que tu veux l'avoir sur la tête? Oui. Oui? Ok, bouge pas. Wow! Bon matin! Ouais, attends! On va faire ça tantôt, ok? On est en train de se préparer un petit dessert au citron. Je vais faire un pain au citron. Oui, 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 attends ça pour pas qu'il tombe dedans. Donc là, ici, c'est de 3 œufs avec du sucre. Et là, j'attends que mon beurre fonde. Je vais incorporer du beurre fondu. Avec de l'huile, encore de tasse d'huile végétale. Pas tout de suite, pas tout de suite. Ça, c'est de la vanille tout à l'heure. Puis, j'ai des citrons ici. En fait, je suis une recette aussi, que j'ai trouvée en ligne. Aussi. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça s'appelle... C'est sur le site Yellow Bliss Road. Yellow Bliss Road. Fait que là, je suis la recette. Aussi, on peut faire ça. Oui, on peut. Ouais, on va faire ça tantôt. Bon, je pense que là, je vais sortir mon beurre du four. Il doit être fondu, ok? Genre, on n'a pas de micro-ondes, fait que je le fais là, au four. Attention, recule-toi. Ok, là, on vient de rajouter notre beurre fondu, notre huile et un peu de vanille. En fait, j'y mets un bouchon de vanille. Puis, je vais aussi mettre de l'eau de fleur d'oranger. Je sais que c'est au citron, mais je pense que ça peut peut-être amplifier le goût, là. C'est une eau comme ça, là. C'est bon. Ok, si on en met un petit peu, on y va ensemble? C'est beau, comme ça. Un petit splash. Fait qu'au pire, si c'est pas bon, faire. Pas tout de suite, non, pas avec ça. Please. Non. Alors, il faut mettre le lemon juice, lemon extract, lemon zest. Let's go. Léa est en train d'ajouter la farine. J'ai parti le four pour le mettre à 350. Et je vais aller chercher un petit loaf pan. Hein? Ça va être bon, ça? Oui. On va ajouter du zeste, du jus de citron. En fait, j'ai pas pris celui-là, finalement. J'ai vraiment juste pressé le citron. Je me suis dit que ça allait être meilleur. Ça, c'est quoi, ça? La vitesse. Ah non, ça, c'est pour enlever les trucs. Je pèse pas là-dessus. C'est pour enlever les batteries. Tu pèses là-dessus et les batteurs, ils vont s'enlever. C'est pour les retirer. Souvenir de jeunesse. C'est bon! Yummy! Fait que ça donne ça, le mélange. Je vais le mettre dans mon pan, comme ça. Voilà. Et c'est 50 minutes au four. Je trouve que c'est quand même long. On verra. Mais je pense que c'est vrai qu'avec les pains, c'est pas comme des muffins. Fait qu'en fait, finalement, ça peut être plus. Ça peut être de l'allure. Puis pendant que c'est au four, on va faire la petite sauce, le petit glaze qui va aller par-dessus, le petit truc blanc là, que tu mets sur le dessus à la fin. Ça doit faire à peu près 15 minutes que je l'ai sorti du four. Mais là, je viens juste de le démouler. Il est super, il sent super bon. Ça, c'est le petit glaze qu'on a fait. Je vais rajouter du zeste de citron, je pense, un petit peu. Mais je vais attendre qu'il refroidisse plus. Tu sais, au toucher, il est encore chaud, mais c'est mieux qu'il soit froid là, quand on met ça. Et voilà le résultat final. Tadam! Fait par Léa et moi-même. Il a l'air très bon.
Mais on n'y a pas goûté encore, comme vous pouvez voir. Fait qu'on va dîner, puis on va essayer ça pour dessert. Est-ce que c'est bon? Ça goûte quoi? Le citron. Le citron? Puis t'aimes ça? J'en suis pris une petite pointe aussi, que je vais y goûter. Hop. Allons-y. Mmh. Mmh. Il est bon ton pain. Mais trop bon. Félicitations, t'as bien réussi. Va trop, maman.